Sa réaction n'en finit plus de faire réagir. S'adressant au député LR d'Eure-et-Loire, Olivier Marley, qui avait évoqué sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt, Éric Dupond-Moretti a joint l'acte à la parole en effectuant, à trois reprises précise France Info, un bras d'honneur. On est tous des êtres humains, il a des réactions humaines, si est-il pour ça que je l'aimais aussi, l'a défendu sa compagne, la chanteuse Isabelle Boulay, auprès de RTL, ce vendredi 10 mars. Si elle se refuse à condamner le geste et ne se sent nullement tenue de justifier les propos ou le comportement de l'homme qui partage sa vie depuis 7 ans, l'artiste québécoise reconnaît le tempérament sanguin de l'ancienne avocat pénaliste. Il évolue dans une autre arène que la mienne. Si est-il là où je ne peux pas me substituer à lui, ce n'est pas ma place. Je le laisse être ce qu'il est, a-t-elle ainsi souligné. Et de rappeler qu'elle ne réside justement pas à l'hôtel de Bourvalais, situé au N-degré 13 de la place Vendôme, dans le premier arrondissement de Paris, et qui abrite le siège du ministère de la Justice depuis 3 siècles afin de se maintenir éloigné de la sphère politique qui constitue, depuis juillet 2020, le quotidien d'Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, les membres de sa galaxie en quelques images, ça nous a encore plus rapprochés. Quand j'ai appris qu'il allait devenir ministre de la Justice, j'avais l'impression que quelque chose allait nous échapper, mais au contraire je pense que ça nous a encore plus rapprochés, avait-elle pourtant confié, toujours à RTL, en juin 2022. La star de la chanson avait tout de même expliqué garder une très grande liberté dans leur relation. Je serais incapable de rester là si je ne sentais pas libre, je m'enfuirais, avait alors confessé Isabelle Boulay. Outre ses rares confidences sur leur couple, elle avait décrit le garde des Sceaux comme quelqu'un qui est extrêmement sensible mais qui a développé une épaisseur de cuirasse assez importante. Elle avouait alors, Éric, de par le métier qu'il pratiquait avant de devenir ministre de la Justice, a encaissé des coups terribles. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Starface.